Salut, aujourd'hui je suis en Italie et derrière moi se trouve le Stadio Flaminio de Rome qui a été construit pour accueillir les Jeux Olympiques dans les années 60. Aujourd'hui, il est laissé à l'abandon depuis plus de 10 ans et on va essayer de rentrer dedans. Bon, je vous explique un peu, là j'ai fait le tour entier du stade. Sur les trois quarts du stade, c'est impossible soit d'escalader, soit parce qu'il y a des caméras. Par contre, en faisant le tour, j'ai découvert un autre gros problème. Il y a une voiture de surveillance. Donc ça veut dire que là, actuellement dans le stade, il y a des mecs de la sécurité. Mais le truc qui me fait un peu plus flipper, c'est que dans la voiture, il y a une cage à chiens. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a un chien dans le stade. Et souvent, c'est pas des chiens mignons, quoi. Et j'ai pas vraiment envie de me faire poursuivre par un clébard maintenant, quoi. Mais en même temps, je suis pas venu ici pour rien, quoi. Aussi, l'autre problème, c'est que la meilleure des entrées, elle est juste à côté de la voiture de sécurité. Bon, les mecs sont pas dans la voiture. Donc c'est qu'il doit être en ronde, sûrement. Je sais pas, je vais me décider, on va voir. C'est parti, je crois que ça va y aller. Hein. Les mecs de la sécurité sont pas revenus. Et je vais tenter d'escalader ça, là. Profite pour vous raconter un petit peu très rapidement l'histoire du stade. En gros, il a été créé dans la fin des années 50 pour accueillir les JO de Rome en 1960. Et ensuite, ça a été surtout le stade de l'équipe nationale de rugby d'Italie. Très vite, en arrivant vers les années 2010, c'était en fait le stade le plus petit du tournoi à destination. Il n'y avait pas assez de place, il y avait trop de problèmes. Et du coup, en 2011, la fédération de rugby est partie. Mais depuis 2011, le stade est comme ça. Il est dans cet état abandonné, surveillé quand même apparemment. Mais voilà, on est dans Stadio Flaminio. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai entendu le chien. Ça me confirme qu'il y a bien un chien ici. Et en fait, je ne peux pas aller d'une tribune à l'autre sans passer par le terrain.
s'est passé, c'est que j'ai d'abord entendu les aboiements du chien, donc ça m'a conforté dans le fait qu'il y avait bien un gardien et qu'il y avait bien un chien. C'était un peu risqué d'aller sur le terrain, etc. Et au moment où j'étais en train un peu de me chauffer à le faire et me dire bon allez, on y est quoi. C'est à ce moment-là, juste j'ai entendu le chien en mode sous la tribune en dessous. Ça m'a vraiment confirmé que le chien était là. J'ai attendu de plus entendre la respiration. Allez, on se casse. En vrai, c'est dissuasif là. La sécurité italienne. Leur chien de merde. Bon, bah, je suis sorti du stade, sain et sauf. En fait, je voulais vraiment aller sur le terrain parce que j'avais vu des vidéos de mecs qui étaient allés au Stadio Flaminio. Sauf que c'était il y a un an. Et en fait, il y a un an, il était vraiment abandonné. L'herbe, elle faisait 3 mètres de haut sur le terrain. Il n'y avait pas de voiture de sécurité, il n'y avait pas tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. En tout cas, le stade, maintenant, il est gardé. Il tond la pelouse. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai pas pu me balader de tribune en tribune. Mais voilà. Mais en tout cas, le stade était très cool. J'ai pu faire des petites vidéos et des petites photos sympas quand même. Et voilà. À plus.